fort. Toujours, nous jouons toujours comme ça, et à la fin, toujours, nous prenons toujours mauvais vu les erreurs individuelles. Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Je ne comprends pas vraiment. À quel niveau pensez-vous qu'il faut mettre un accent? D'abord, nous ne marquons pas. Et vous voyez, un jour, on subit. De la première minute à la 90e minute, un match, quand un gardien va au sol au moins 20 fois, c'est pas évident. Tous les matchs se jouent comme ça. On joue, et puis on prend un mauvais but. Ça veut dire physiquement, vous n'êtes pas prêt quand même. Nous travaillons physique. Depuis nous sommes en salle, nous n'avons pas fêté. Nous sommes en salle depuis. Mais moi, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Il nous faut vraiment des avancées. Moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut. En dehors des avancées, on entend quand même que vous n'avez pas l'endurance. Vous n'arrivez pas, bien que vous subissez, mais vous ne courez pas. Nous travaillons physique avec nos entraîneurs. Parce que moi, je dirais, c'est bien, quand nous jouons comme ça, nous perdons. On va tirer sur les coachs. Mais ce n'est pas ça. Les coachs font le travail, mais je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être, moi, les gars, on entre au stade pour s'amuser. Moi, je ne sais pas ce qui nous arrive, vraiment. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est l'esprit? C'est l'esprit du club qui fait défaut? La détermination? Chacun a son fatigue spirit, comme on dit en football. Moi, particulièrement, quand j'entre dans un stade de football, si je ne suis pas à 100%, je ne peux pas jouer. Vous m'avez absenté ici deux matchs, canon et sable. Parce que je me suis fâché, j'ai dit que non, moi, je ne pouvais plus jouer comme ça. Chaque jour, je ne peux pas venir jouer pour perdre. Et c'est voilà à peu près ce que moi, je pouvais apporter comme plus.